Oh là là, j'ai reçu ce carton, je suis trop contente. Mais genre, c'est la marque que j'aimais trop quand j'étais au collège, Anastasia Beverly. Du coup, on va faire un full make-up qu'avec les produits Anastasia. Déjà, nous avons 3 pinceaux. Même les pinceaux, c'est des bougies. Bijoux. Bougies. Je crois pas qu'il y a un fond de teint. Et on a un anti-cerne. On en a même 2. C'est la première fois que je teste les produits Anastasia, je suis trop excitée. Waouh. J'avais complètement oublié qu'ils avaient un anti-cerne. Let's go. Celui-là, c'est la teinte 3. Avec le nouveau pinceau. Déjà, ça s'étale super bien. Ça dit quoi? Ça dit ça fusionne parfaitement avec la peau sans marquer les ridules. Vous savez, des fois quand on met de l'anti-cerne, et bah ça fait plein de petits traits comme ça. Apparemment ça le fait pas, on va voir. En tout cas la couvrance elle est là. Hein. Et en plus il est assez glowy. On va passer au bronzer. Voilà. Pardon mais venez on parle de ce. Oh waouh. Waouh. Mais moi il y a tout qui m'émerveille, hein, je vous jure. Mettre un peu d'anti-cerne ici parce que vraiment c'est trop coloré. Non mais incroyable, ça a direct couvert. Apparemment ça a fini mat. Comment il se blende bien dans la peau. Regardez, ici j'en ai mis et pas ici. Prochaine étape, le blush. Oh, on a même un highlighter. Oh. Oh, oh c'est trop mignon. C'est un nude